C'est une opération qui se déroule difficilement, il faut le reconnaître, parce que la situation est très complexe et également c'est une opération qui se fait en souterrain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'obstacles en fait sur le chemin des sauveteurs. Nous avons 164 millions de litres d'eau quand même au fond de cette fosse-là qui a une profondeur de 710 mètres. Et à ce jour, en tout cas, c'est plus de 40 millions de litres d'eau extraite de la cavité. Nous sommes à quelques centimètres, à quelques mètres en fait de la salle de refuge où nous espérons vraiment trouver les 8 mineurs là-bas. Mais aucune certitude, parce que leurs camarades qui ont pu sortir de la mine ne nous garantissent pas qu'ils aient pu atteindre cette salle de refuge-là. Mais si jamais ils y étaient, nous avons aussi l'espoir de les voir, de les retrouver en vie, parce que tout simplement la jauge d'aération continue à fonctionner. Aujourd'hui, nous cherchons des frères vivants. Si jamais dans la salle de refuge, nous ne trouvons personne, nous allons poursuivre les recherches pour retrouver au moins nos frères et puis pouvoir leur donner vraiment dignement un hommage rendu à leur encontre. Donc, pour le moment, nous ne pensons même pas au pire des cas. Nous sommes focalisés sur le meilleur des cas.